Étienne, Symphorien, Kalala, Banandaï. Café du peuple, RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, Bayimboka, Botenabino, Banso. Wanagwa Penzi, Wanainchi Ote, Nawasalimi Yanini Ote. Banabetu, Basuwe, Moyoweno, Banso. Bampangi ya Mounou ya Luzolo, Bampangi ya Vincent, Mbote na Benou, yon sa. Ana, lengo, Moyanyo, tchè. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Voilà, mes chers compatriotes, nous nous retrouvons encore. Voilà, on s'est déjà dit bonjour. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parcourir quelques quatre titres de l'actualité qu'on a sélectionnés. Mais avant, Tobandaba titre, on a quatre. Naye bisabino nano. Titre Moko Ezali, Kotambola n'a pas réseau social, surtout la Facebook. Na YouTube aussi. Balobiété, bah militaire américain, Oyo na base, y'a Gabon. Bah Eti Brazzaville, bah traversé. Odion Angope, Ezali Kotambola, mais. To Landeli Yango, to Moni Bosolo na Yango te. Ce n'est pas confirmé par les médias traditionnels. Ce n'est pas confirmé par politico.cd, ni par Radio Capi.net, ni par Mediacongo.net, rien de tout cela. Bon, il paraît qu'il existe des choses cachées qui ne sortent pas nécessairement sur les médias classiques, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve que c'est vrai, chers compatriotes. Bon, cela peut être possible, comme ça peut ne pas être possible. Donc, chers compatriotes, vous allez comprendre que je ne vais pas m'étaler là-dessus. Bon, na mon équipe na Congo Bololo à reprendre les Kambango, les sous-sous que bah, militaires américains bah, traverser bah, comme une Akin. Dans le cadre, il y a encore protégé Félix Tshisekedi et puis contrer bah menace il y a la Kabylie. Vous voyez bien que Kabila a zali comme menacé, bah rébellion Mossou sous bah Bimi, rébellion Tutsi Bangoumino, na Bali na Bango Mossou bah outi na États-Unis à l'est, de Monipen à côté à Zambie. Bobote Ezate, la frontière à Zambie, Bobote Ezate, bah, Monsusu, bah, Yelaki, Zelaya, Centrafrique, Soki Banani, tout ça, bah, distraction, tout ça pour déstabiliser Félix Tshisekedi. Mais bon, nous allons nous étaler sur les titres d'aujourd'hui, bon, qui sont palpables, on le voit, on le sait, c'est publié par des médias connus. Alors, Leloto Kolobela Nini, Yaliboso et Kozala Daniel Massaro, bah Betty et Makasna et pas bah prisonnier. Vous voyez? Comme quoi le peuple congolais est complètement en colère pour des millions qui sont partis, des millions du contribuable, y compris ceux qui sont en prison, ils sont en colère. Ils l'ont tabassé, ils l'ont frappé, ils l'ont brossé. Deux, bah, député Yakivu Basiliki Balobi, ministre de la Défense Mukena, il est incapable. Il y a aussi insécurité. Bon, bah, c'est une motion de défiance. Au bah, Longolaï, na Assemblée nationale. Bon, tant qu'il y a fin, il y a autopsie.
Autopsie à juge président et Sili. Les lots samedi ndé ba ko révéler ndenge akufa ki soki akufa ki na poison soki akufa ki na ndenge mosusu. Bon, si koyo to yoki yoki na frontière ya Zambie, Bazambien, Bakoti, tout ça, mais porte-parole ya gouvernement zambien lui-même à lobby, to yebi makambo na te, donc on n'a aucune envie d'occuper des frontières au-delà de nos frontières, mais finalement on ne comprend pas ce qui se passe. On va lire ça ensemble avec vous. Bon, voilà, nous allons commencer par Daniel Massaro qui se fait tabasser. Donc, Yango Oyo. Donc, Media Moko Yaba Congolais, le 30 mai, mbote.cd va publier Yango. Yango yo Bandeko. Babeti Masaron Kingi, neveu. Il y a Vital Kamerhe, la prison. Voilà. On lit ça ensemble avec vous, chers compatriotes. Ben, je vais le lire pour vous parce que c'est moi qui regarde l'écran. Daniel Nkingi, alias Massaro, neveu de Vital Kamerhe, se fait sérieusement tabasser à la prison centrale de Makala. On a à présent les nouvelles de Daniel Massaro, lui qui est à la prison centrale de Makala après l'arrestation qui avait mis fin à sa cavale. Une courte vidéo qui a fait son apparition sur les réseaux sociaux le montre en train de se faire sérieusement tabasser par les autres détenus. On entend des cris tels que « On va te tuer !» Voilà, la vidéo en question, elle est là. Hein? Pas très clair, mais ça peut être comme ça. Attendez, je vais ajuster ça. Daniel Massaro Abetami Yango, réactiver La le nuit, je son. partage avec vous aujourd'hui un soin naturel Oh pour là atténuer. là. Wapi Yango, Daniel Massaro. Ouais. Une copie de vidéo Yango Yo. Voilà. Regarde. Ben, c'est très court, hein, chers compatriotes. Les âmes ont poussé ma cache. Daniel Massaro à Bethany. Voilà. Alors, Daniel Nkingi Shangalume, alias Massaro, n'a pas encore été jugé alors qu'il est impliqué dans l'affaire de détournement des fonds destinés au programme de 100 jours du président Félix Tshisekedi. Mais pour l'instant, personne n'aimerait être à sa place car il passe de sales moments en prison. Voilà, Bandeko. Bongoyo, il y a bas contribuables congolais, bas millions. Donc, Keïna n'a pas poche, il y a Batmoko, Boye, bas individu. Tout ça à cause de Vital Kamerhe et sa famille, voilà. N'a pas prisonnier, paix. Bah, c'est Pélité, bah, Sili qui m'a cassé. Bon, mon Yango, Bino Moko. Voilà. Alors, Toko Kende Sikoyo. Voilà, maintenant, chers compatriotes, on passe à l'Assemblée nationale où les députés du Nord Kivu
sont décidés d'en finir avec Emengoy Mokena. Donc, le voilà, le fameux ministre de la Défense. Il est connu surtout pour avoir désobéi au président de la République quand il était invité d'accompagner ce dernier à Bruxelles en 2019, je crois, ouais, en 2019, pour signer un protocole comme ça sur l'armée, sur la défense. Il refusa de monter à bord de l'avion instruit par Joseph Kabila. Voilà. Quand commença la désobéissance des ministres du FCC. Alors, nous allons lire. Le ministre de la Défense nationale, le professeur Emengoy Mokena, Loussa Diessé, est sur une chaise éjectable. Il est visé par une motion de défiance. L'initiative vient du caucus des élus des provinces du Nord et du Sud Kivu. Chaise éjectable. Bomoni, ba chaise mosusu na kati avion, batia canon na sima. Ya kiti wana ya avion, ba avion ya guerre wana. Donc ceux qui ba battre avion wana, directement canon à les automatiques s'est déclenché et bois qui pilote na libanda avion et que koko ya place mosusu. Canoana et Balouké est commis parachute. Est commis parachute et que Kokoï est en toute sécurité. Pilote Wana. Donc, ce qui Balouké siège éjectable, c'est-à-dire les instabilités à tout moment. Ce qui va finir qu'un bouton à sauter. Voilà, Yangwanango Imouken en ce moment. Donc, les députés du Nord Kivu sont déterminés à obtenir une motion. Poba Benganaye. Voilà, chers compatriotes. Selon le député national Jean-Baptiste Kasekwa, la pétition pour la déchéance du ministre de la Défense nationale est déjà lancée. Et d'ici 48 heures, il espère réunir les signatures qu'il faut. Nous assistons à une prolifération des troupes étrangères, une invasion du pays par toutes, par les troupes étrangères, des Burundais, des Sud-Soudanais, des Rwandais, etc. Les soldats manquent de tout sur la ligne de front. Ils n'ont pas de prime. 9 mois après son investiture, le ministre devait démissionner de lui-même, mais il ne l'a pas fait. Nous estimons qu'il est temps qu'il soit mis de côté. Boyebi, président de la République, atinda ba prime ya ba soda ya ba FARDC. Il paraît qu'ils allaient qui 1 000 dollars par militaire hein, pour les encourager. Général Moko a détourné ba prime wana. Et puis ministre de la Défense à l'Oba, il est comme mon côté. Vous voyez? Est-ce qu'il était de mèche? Et finalement, après des plaintes, généralement, on va bien ça y est, Nakine, ceux qui va kangaye ou bien disciplinaye de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Hein. Voilà. Alors, nous continuons l'information. Il confirme récolter les signatures des députés de tous bords. Pour arriver à déchoir, déchoir, hein? Kokitisaye, Kolongolaye, le ministère de la Défense, depuis des décennies. Ce qui va lobby décennies, ils allaient 10 ans. L'Est de la République démocratique du Congo est en proie à une insécurité criante, avec notamment des groupes rebelles qui sèment la terreur, dont la nébuleuse AFDL-NALU. Nébuleuse, c'est là qui si nuage y a batouan na bayebi et sika et bandité et sika ezo silaté nébuleuse un groupe indéfini
Il y a peu, un élu du coin a révélé la création d'une rébellion en gestation dans cette partie du pays. Donc, Toyebi, création, il y a rébellion, Anna, les Alibas, groupes, il y a bah, Tutsi, Rwandais, Houthi, États-Unis, Ngoumino, pour la rébellion, Anna. Voilà, chers compatriotes, on va passer maintenant à l'autopsie. L'autopsie du juge président qui aurait été tué par empoisonnement, tant sa mort était suspecte. Dosez la information, Anna, de Luca Place Ezali. Alors, il s'agit de l'autopsie, n'est-ce pas? Autopsie, autopsie. Voilà. On a eu l'information. Voilà, chers compatriotes. C'est une information de politico.cd. Nakanisi Bandeko Boyebi Jijwana. Voilà. Le juge président du procès Vital Kamerhe de 100 jours, qui est mort dans des circonstances suspectes. On soupçonne le poison. Alors l'autopsie a été terminée hier. Donc aujourd'hui, samedi, on va donner les résultats. Soyez branchés. Être branché, ça veut dire vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de façon que vous ayez une notification dès que nous publions un flash là-dessus. Voilà. On va lire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Politico.cd. L'équipe de médecins légistes pourra remettre le rapport de l'autopsie du juge président Raphaël Yani du procès de 100 jours au procureur général près la cour d'appel de la Gombe ce samedi 30 mai. Voilà. Selon Radio Okapi qui rapporte l'information, l'autopsie pratiquée ce vendredi 29 mai sur le corps du juge décédé Raphaël Yani a pris fin dans la soirée et tous les hauts magistrats étaient en réunion avec leur hiérarchie au soir de cette autopsie. Et Zala Kilobi. Donc, bah, c'est ça qui est autopsie. Bon, il y a bien autopsie, hein. Autopsie, Zali, Bazui, Corona, Bafongoli, Ango, Bazui, moi, Balikide. Batalina, bafoua, bisikanini, poison et kokende, tout ça, bah, prélevé, baken à laboratoire, baké kota la soki poison et kotaki, soki akufakindengenini. Voilà, wana, ezali autopsie. Ezali momoko ya origine grecque. Donc, voilà, bah, médecin, wana, bah, benga kabango, bah, médecin légiste. Légiste. Et où type en mot latin, lex, la loi, legis, hein, comment est-ce qu'on dit? Lex, c'est le nominatif, et legis, c'est le. Oh, j'ai oublié. C'est-à-dire, ceux qui ont lobby, la loi, et c'est lex. Ceux qui ont lobby de la loi, et commis legis. Donc en latin, c'est comme ça. Ce qui est comme pays complément d'objet direct, babenga kango accusatif, et comme illegem. Latin, une langue compliquée, une langue à cas. Voilà. Et on est où? Selon les sources, oui, les médecins légistes, les médecins de la loi, voilà.
Selon les sources judiciaires, tout sera révélé après lecture du rapport fait à la suite de la réquisition du procureur. Conduite par un général d'armée, l'équipe des médecins en charge du corps du juge Raphaël Yani s'est activée pour faire l'autopsie à la morgue de l'hôpital militaire du camp militaire Kokolo à Brie Politico-Point-CD dans la journée. Le parquet de grande instance de Kinshasa, Gombe, a demandé en urgence au médecin légiste de l'hôpital général de référence de Kinshasa de procéder à l'autopsie du corps du juge Raphaël Yani. Examiner le corps du fait Raphaël Yani au Vongo, conservé actuellement à la morgue de l'hôpital général militaire du camp Kokolo et nous déterminer les causes de son décès, a écrit l'officier du ministère public, Émile Ndjali. Il a également exigé du directeur de l'hôpital général militaire du camp Kokolo de veiller à ce que le corps ne soit pas manipulé par des mains inexpertes jusqu'à l'exécution du devoir requis. Voilà, chers compatriotes, cette initiative fait partie d'une information judiciaire qui a été ouverte à la suite du décès mystérieux, vous entendez? Mystérieux du juge congolais. Mystérieux, c'est-à-dire qu'il y a des choses cachées. Le juge président du procès sur le programme des 100 jours du chef de l'État impliquant Vital Kamerhe et consort dans le détournement des deniers publics est mort d'un arrêt cardiaque mercredi dernier. Sa famille et plusieurs personnalités ont réclamé cette autopsie. Selon nos informations, les autorités judiciaires congolaises se sont engagées à communiquer publiquement des résultats de cette autopsie. Signé Thierry Fondou de Politico.cd. Voilà, chers compatriotes. Nous nous arrêtons là parce que nous n'avons pas des informations correctes sur ce qui se passe à la frontière RDC-Zambie. Est-il que le porte-parole du gouvernement zambien déclare que la Zambie n'a aucune velléité d'aller au-delà de sa frontière pour aller occuper d'autres territoires. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Qui sont entrés sur notre territoire jusqu'à 30 km à l'intérieur, jusqu'à Moba? Qui sont-ils s'ils ne sont pas des Zambiens? Eh bien, on nous dit que le président du Congo, de la République du Congo, quand on dit la République du Congo, c'est la République du Congo-Brazzaville. Nous, c'est la RDC Congo, la République démocratique du Congo, en abrégé la RDC. Donc, quand on dit la RDC, il s'agit de notre Congo. Le président Sassou Nguesso s'est déployé à pouvoir jouer les intermédiaires dans ce conflit entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Voilà, brièvement, chers compatriotes, nous nous arrêtons là. Et puis, nous réitérons toujours notre volonté à soutenir le président de la République afin qu'il prenne des mesures drastiques, des mesures dures, de donner une réponse dure à la Kabylie, de façon à lui montrer que c'est lui le président de la République. Donc, de recourir à la Cour constitutionnelle pour constituer une nouvelle majorité, d'autant plus que le FCC n'est pas reconnu comme un parti politique, ni comme un regroupement politique ayant participé aux élections de décembre 2018, ni même le CACH, ni même la MOCA. Donc, il n'y a aucun parti politique qui a la majorité. Donc, en ce moment, au Parlement, le FCC n'est pas majoritaire.
Il n'y a aucun parti politique majoritaire. Le président de la République doit se baser sur l'article 78 ou 78 de la Constitution pour nommer un informateur afin de former une nouvelle majorité. Si ça ne marche pas, alors il faudra dissoudre le Parlement et revoir la constitution, non, revoir la composition de la CENI. Voilà, chers compatriotes, Tosukiwana, Bozala branché, Tokopé Sabino, ma information sur les résultats de l'autopsie. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté notre émission en français facile, mélangée d'un peu de lingala. Voilà, en français facile, c'est-à-dire que nous déployons à expliquer des mots savants, des mots yaba, bateau yaba. Donc, mots yaba savants, mots yaba courants. Voilà, chers compatriotes. Allez, ne craignez pas nos émissions en français, nous sommes prêts à expliquer les mots difficiles. Au revoir, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.